Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Flip the head. Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme tu le sais, c'est la partie 2. Et si tu le sais pas, je te le raconte là maintenant. En fait, ça consiste en quoi? En fait, moi d'habitude, je fais des vlogs ou des tutos pour t'apprendre un peu tout ce que je sais, tous mes savoirs. Donc, il y a des limites quand même parce que je sais pas tout. Hein, voilà, donc si déjà, t'aimes bien ce genre de contenu, ce genre de vidéos sur le basket, même si tu fais pas de basket, mais t'aimes bien quand même regarder des vidéos de basket, alors ne perds pas de temps, abonne-toi, lâche un bouton like et puis active la cloche de notification si jamais des fois tu dors trop et que t'as besoin que YouTube te réveille pour dire que j'ai sorti une vidéo. Voilà, tout simplement. Là, on avait fait une partie 1, 30 jours pour faire dunker 5 personnes. Là, on est sur la partie 2, un peu. Voilà, il y aura 3 parties, hein, clairement. La troisième partie avec Pepitares, ça va être dinguerie. Ça va être tout simplement le résultat des 5 personnes, savoir la différence sur le programme que j'ai sorti, savoir si vraiment ça a marché ou si vraiment c'est de la D. Voilà, tout simplement comme ça, on regarde entre toi et moi, vous, nous, ou... I-A-O-I. Voilà, t'as capté. Donc j'espère que t'es chaud. Là on va voir un peu, bah, pendant les fêtes, ça n'a pas été tout le temps facile. Ça a eu des moments très 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 difficiles. Et je te le partage avec toi. Et c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Parce que tu vas voir que ça n'a pas été tout le temps facile. Les gars, là, comme tu sais, bon, on est arrivé vers chez ma mère. Là le temps, il fait un mauvais temps. Tu vois, j'ai pas de salle de basket. J'ai rien, j'ai pas de matériel, mais j'ai l'équipement. Bon, bizarre, mais on est équipé quoi, les gars, et tout simplement on va pouvoir faire le programme dunk, tout simplement parce qu'on veut défoncer la planche avec la tête et c'est l'objectif. Mais tu vois que là c'est un peu galère, il fait froid un peu en plus, j'ai le nez qui coule. Bah bon, c'est pas grave, là on commence le programme tranquillou bilou et on a à peu près 1h30, 1h40, donc voilà. Bon, c'est pas simple parce que là je suis dès qu'à midi maman elle a préparé les petits plats. Donc autant dire que j'aurais préféré rester devant la télé, regarder un petit film de Noël et puis aller tout simplement ben manger avec maman. Voilà. Et alors, allez, on se passe dehors. Youpi. Et là, tu vois, je viens de trouver ça simplement pour faire les volets. Donc là, on va faire les volets sur ça. Voilà. Et voilà, je suis... C'est pas le plus bel endroit que j'ai trouvé, quoi. Je suis loin de New York. J'ai bientôt fini. Autant vous dire que... Wow. Des exercices, je me dis, ouais, j'étais sûr que je l'ai fait, c'est bon. Ah non, mais il est important. Tu vois, en fait, tu vas chercher dans ta tête la motivation, t'es obligé parce que c'est dur. Hein. Des fois, c'est dur. C'est vraiment très dur, surtout que t'es. Enfin voilà, t'es là, t'es en vacances, je te dis, bon, bah c'est bon, puis on verra bien. Il y en a qui font moins, mais tu t'en fous des autres. Faut pas faire par rapport aux autres, tu fais par rapport à toi et ça, c'est important. C'est toi que tu veux être meilleur que toi-même, la meilleure version de toi-même. Maintenant, on y repart. Je ferai un petit vlog après sur la fin du. Je demande d'exercice tout simplement pour aller manger. Puis je vais vous raconter un peu ce qui va se passer un peu cet après-midi, demain ou autre. Voilà. Bon, là les gars, c'est fini, on va se laver pour aller manger avec la maman. Et puis les gars, ben voilà, la sensation c'est que avant, voilà, la flemme, franchement, tu sais, tu veux repousser au lendemain ou tu te dis bon allez la semaine prochaine ou autre. Et en fait c'est pas le bon truc, faut y aller, faut se forcer et on verra bien, c'est ça la vérité. Dis-toi bien que si tu le fais maintenant, il y en a pendant les vacances, c'est le repos. Ils se disent c'est repos, du coup ils verront bien ce qu'ils vont faire. Voilà, ils en profitent, voir la famille, je pense que tu peux tout allier. Je pense que c'est pas parce que tu es en vacances ou autre que tu peux rien faire, justement c'est là que tu vas être meilleur que les autres, donc faut pas hésiter. La détente, c'est-à-dire que t'as vu, on a galéré la veille, il faut aller se détendre. Donc là avec la maman, on est parti tout simplement se détendre avec la maman et la sœur. Donc voilà, j'ai été, voilà, balnéo, tout ça, t'as capté, ça fait du bien, les jambes, elles sont comme ça un petit peu moins lourdes. Et puis on a fait directement le choc entre le chaud et le froid, c'est-à-dire que boum, t'as le chaud, boum, tu vas dans le froid. Voilà, et ça t'alterne ça plusieurs fois, c'est un rester trop longtemps dans le sauna, le hammam ou je sais pas quoi. Le but, c'est vraiment de faire un petit choc thermique comme ça pour que la circulation sanguine, ah ben, ça soit en mode turbo, t'as capté, exact, ça aille vite, ça soit, voilà, ça soit focus bien, tranquillou,
Et puis voilà, donc ça a permis de faire du bien au corps. Là, vas-y, c'est parti. Là, on va se mettre bien. Détente après avoir fait les jambes sur la bouche. I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Flip the handlebars. Là les frérots, donc voilà, là ça c'est l'idéal. Je me fais un petit sauna. Bon, là c'était juste pour vous montrer, d'habitude je me servais de tout ça. Mais là on fait un petit sauna et ensuite on va directement dans le bain froid. Donc c'est un bain qui est gelé. Et on met aussi un truc qui fait tomber au-dessus comme ça, ça crisse tous les muscles. Pour la récupération, c'est bien. Sachant qu'aujourd'hui, on sort de quoi ? Ben, on sort de faire les jambes. Donc là, voilà. Sachant que même avant de dormir, je vais essayer de m'étirer un petit peu pour enlever les tensions. Parce que ça commence à tirer au niveau du genou ou autre. Donc voilà, la meilleure solution, c'est la récupération. Et c'est de libérer ces tensions. Et puis ça va aller mieux. Mais on va continuer les frérots. Voilà, un petit peu de douceur comme ça, ça c'est bien. C'est fait chaud. Ça, c'est celui que j'aime le moins. Je préfère la main. Superstar, just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah. Taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? Là, ça fait plaisir de te montrer un peu là où j'ai pu vivre ces journées pendant quelques temps. Là où il y a même tout simplement de quoi me détendre, vous allez voir. Et au moins là, il n'y a pas besoin de faire trop de kilomètres pour aller se détendre. Et tu vas voir que c'était cool et j'ai grave kiffé d'avoir ça là où je dormais. Donc voilà, ça m'a permis de me relaxer également et ça, c'est un kiff vraiment. Et au gîte que ma mère m'a bien pris. Donc voilà, là je suis au gîte, là je suis arrivé, on a été faire les jambes. Il pleuvait encore un petit peu, je suis au deuxième jour, enfin deuxième séance de la semaine, donc c'est cool, il m'en faut encore une. Comme vous savez, la récupération est tout aussi importante. Là, j'ai fait une petite douche, la tête, on juge pas trop, de toute façon, je suis au plus près de vous, machin, donc j'ai pas besoin et pas l'importance d'être maquillé ou quoi, je sais pas quoi, et tout, on s'en fout. Le moment, c'est qu'on voit vraiment ce que je fais. Donc là, tu vois, ça c'est, là j'ai la petite table où je travaille, hein, alors c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Tu vois, là. Voilà, ça c'est la table où je bosse, tu vois. T'es tranquillou, là c'est mon plan de cuisine, là où je fais toute la cuisine. Bon, je te laisse imaginer que là je ne cuisine pas, je vais direct en haut vers chez maman. Voilà, c'est un peu plus simple, hein. C'est vrai que... Voilà, je vais pas cuisiner non plus, je vais voir les bons petits repas de la maman et puis voilà. Et puis et là, sans plus attendre, les gars, les frérons, on va au jacuzzi. Voilà, parce qu'il y a un jacuzzi aussi pour la détente, voilà, c'est ça qui est un peu excitant aussi. Donc là, on a juste à passer là, et là, let's go les gars. Donc voilà, là, normalement, je me le suis bien préparé. Là, il est à 40 degrés, donc je crois qu'il faut enlever ça. Oh, tcha tcha tcha, les gars, l'eau, elle est hyper bouillante. Ah, oh là là. Oh la vache, grave. Oh. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, mais c'est magique. Voilà, donc un peu de détente. Et après, aujourd'hui, on va faire étirement, mais comme vous savez, c'est 4 heures après. Et puis voilà, après nous, elle arrive bientôt. La mère a une amie à elle, vers chez elle. Donc, vers chez elle, c'est à Issy-Jacques. Hein. Là, j'étais à Issy-Jacques, si vous préférez. Je sais pas si vous connaissez, c'est à une heure de Bordeaux. C'est vers Bergerac. Il y en a qui se situent en Dordogne. Voilà, moi, je suis nul à ça. Mais bon, peut-être que toi, t'es calé, que tu voulais le savoir. Voilà, peu importe. En tout cas, voilà, il y a une amie à elle qui masse, qui s'est massée. Donc, elle m'a massé pendant au moins 1h20, 1h30. J'étais là, j'étais relax. Parti en fait, c'était que de la relaxation. En fait, je fais les jambes, mais après la relaxation, c'est encore mieux que les pros, quoi. C'est top du top. Donc voilà, je te montre ça un petit peu. Et puis après, je te renchaîne directement avec les vidéos. Tu vas voir du Noël, hein, le Noël que j'ai pu passer en famille. C'était source de rigolade, c'était de la bonne énergie. Et c'est ça que j'avais besoin. Et c'est ça qu'on a besoin dans ces moments chaleureux. Et j'espère que vous avez partagé des bons moments comme ça parce que c'est important. Et pas trop sur son portable parce que voilà, faut savoir couper quand même. Quand t'es avec ta famille. Poste de repos, moi, m'a pris tout simplement un petit massage. Donc là, c'est cool. Donc, on va faire un massage tout le corps pendant 1 heure. Donc là, c'est juste, voilà, juste top du top. Ensuite, après, j'irai m'étirer tout ça. Puis demain, on attaquera tranquillou la phase des exos. Je serai en pleine tête. Je sais pas ce que ça donne au niveau de la qualité, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, là, je suis prêt. J'attends. Et puis, on va aller au massage. On va profiter. On est samedi dans la semaine. Pour l'instant, j'ai fait deux
fois le programme. Donc demain matin, les frérots, ça va piquer, mais on n'aura pas le choix. Hein. Là, c'était un peu la course. J'ai préféré aller chercher plus des étirements, plus aller chercher voilà, des petits trucs comme ça, mobilité. J'en avais besoin plus que de travailler. Donc voilà, donc on va faire demain. Ça fera mes 3 dans la semaine. Voilà, là, on va aller se détendre. On va finir d'écrire la petite carte. Voilà, parce qu'on a fait une petite carte, il faut finir de l'écrire. Et puis après, on va aller faire un petit tour, je pense, se baigner. Hein, voilà, histoire de se détendre un peu. Et puis après, on va se préparer, on va se faire tout beau pour rejoindre la famille. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis en train de créer la boutique pour la maman. Parce que regarde ce qu'elle fait. Elle fait des, tu vois, des bracelets comme ça, Apple. Donc, c'est stylé. Donc, je vous enverrai d'ailleurs quand je vous enverrai, pourquoi pas, un lien. Donc, pour que vous regardez la boutique que je lui ai créée, voir et vous me dire si c'est stylé ou pas stylé. Elle fait tout à la main, donc c'est trop bien. Là, voilà, je suis en train de ranger un peu mes affaires parce que demain, c'est grand départ. Donc voilà, grand départ, on part vers les amis d'enfance. Donc ça fait plaisir parce que ça manque. On est loin d'eux depuis longtemps. Des fois, ils viennent voir au basket, donc ça, c'est vraiment cool. Puis des fois, quand je peux, j'essaye de venir. Mais vous voyez, avec la création de boutique de Delta Lloyd, avec les programmes, avec tout ça, aïe, 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 ça prend du temps. Mais il faut savoir se libérer du temps pour ses amis d'enfance qui étaient là dès le début, qui lâchaient les premiers likes, qui partageaient les premières vidéos. Donc voilà, un petit peu. Là, voilà. Voilà, les gars. Tout ça, c'était pour te filmer. Voilà, c'est galère. Attends, là, je galère. Ils m'ont donné tous les papiers à porter. C'est trop lourd. C'est bon, là. C'est bon? Ouais. Regardez la sœur comment elle fait des gâteaux de fou. Des gâteaux de folie. Oh là là. Ça va, elle progresse, hein. Sur la Porsche. Retour vers les amis d'enfance. Avant, t'étais du côté de la Nièvre et de Lyon. Du coup, mes amis d'enfance sont encore vers là-haut. Donc là, j'y suis allé à peu près 6-7 heures de route. Ça va, j'ai pas conduit, j'ai pu ronfler. J'ai pu ronfler tranquillou. Donc ça fait plaisir. Là, tu vas voir que... Bah, compliqué. Tu vois, t'en as... Tu vas voir, de toute façon, je vais te le montrer, mais c'est compliqué quand t'en as... Et ils sont devant la console, ou ils sont pas très bien réveillés le lendemain d'une fête. Bah, tout simplement, derrière toi, faut assumer quand même. Parce que tu dois avoir des résultats. Surtout pour la partie 3 qui va être... En tout cas, on se donne. Là, voilà. On est quoi? On est, je crois qu'on est le 26 ou le 27? Non, je crois qu'on est le 27 entre les fêtes. Oh, je sais plus. Un truc comme ça. 27, 26. Bref, c'est en décembre. Hein, fin décembre entre les fêtes de Noël. Là, hier, on a fait un petit apéro tous ensemble avec les amis d'enfance. Donc ça, c'est cool. Et puis là, ce qu'on fait, bah moi, je fais le sport. Hein. C'est pas facile parce qu'il est tôt. Il y en a qui dorment encore. Il faut se motiver tout le temps. Ah, meilleur ami. Puis, on a mon gars Nico. Donc lui, il a choisi l'autre option. Je crois que c'est jouer à la console. Donc vous voyez, on a... Voilà. Voilà, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut... Ouais, il y a un temps pour tout, je dis. Il y a un temps pour tout. Il faut savoir être sérieux. C'est dans ces moments-là qui est pas facile, parce que t'as plus de temps. C'est la veille. Enfin, la veille, tu t'es couché un peu tard. Du coup, en fait, tu restes chez toi. Tu te dis, oh, flemme, machin. Non, faut garder cette motivation. Et cette motivation que tu vas avoir en plus sur ça, que ça va te faire travailler ton mental et ça va être que bénéfique pour toi. Donc, faut vraiment rien lâcher. Et puis voilà, ça m'empêche pas que je fais mon petit sport. Et puis après, je vais rejoindre tranquillou. Mais voilà, faut avoir cette force-là, cette détermination. Et je vous encourage à l'avoir, les frères. Tu lui fais le programme, oui. Oh. Ah, les gars, ça fait du bien, on a fini. Faut penser à boire. Là, bon, on a vu tout ça presque encore. Penser à boire, c'est important pour les articulations, pour tout ça, pour le corps. Faut boire, même s'il fait froid. Faut donne pas trop envie de boire. Plus des chocolats chauds ou des petits thés, mais voilà. Fin de séance, petite douche, petit repas. Et ce soir, étirement. Il y a quelques phases d'étirement que j'ai loupé. Et si je loupe encore, ça va tirer sur les muscles. Et déjà, je vais être moins compétent. Le muscle, il va moins se reposer. Donc, c'est important de s'étirer, d'aller faire de la récupération comme ça pour que ton muscle il soit beaucoup plus puissant après. Voilà. On parle de puissance. Avec mon gars, mais bon, c'était équilibré. Là, petit repas fait par mon Juju, les gars. Les frérots. Bon, la diète, on l'oublie un petit peu, mais il a fait avec le cœur. Il nous régale, ça c'est, voilà. Parce que là, donc on a un c'est Joris. Chiant, les plats. Lui, il est plus sur le dessert, il nous a géré le dessert. Ouais. Exactement. J'ai délégué à mon pote Nico. Un peu mieux là, la coupe que tout à l'heure, et puis la tête. Ah, merci. Ça
Bien mangé. On aime bien aussi partager des petits moments comme ça, d'accord? C'est-à-dire bowling, laser game, des petits trucs où ça occupe, tu vois, on reste pas chez soi, à se regarder dans le blanc des yeux et raconter nos dernières anecdotes. Donc là, tu vois, ça, ça fait kiffer. Toi, bon, moi j'aime bien en plus. Petit bowling, d'ailleurs, je lance une petite façon, je sais pas si c'est normal de lancer comme ça, mais ça permet de pas me faire mal aux doigts, enfin bref. Bah, je vais tenter à... On va voir. Là, on s'est chauffé. C'est-à-dire qu'entre Noël et le jour de l'an, on s'est dit « Non, on ne peut pas rien faire. » C'est-à-dire que ce n'était pas possible pour nous de rien faire. Donc, il y avait quelques gars, il y en a qui ont dit, désisté au dernier moment, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. On s'est dit « Vas-y, on chauffe. » On s'est chauffé, les gars. On était au ski. Et j'ai eu de la chance. Enfin, les gars, je vous laisse regarder, mais j'ai eu de la chance. Là, on est parti de Corbeil. Voilà. Là, c'est la petite pause déj. On devait aller à... On s'est dit « Vas-y, entre Noël et le jour de l'an, on a deux jours. » On va faire que nuit, on s'est dit on va faire du ski. Et vers chez moi, on voulait retourner vers chez moi. Parce que dans le Jura, en fait, il y a des pistes de ski, mais en fait, les gars, il n'y a plus de neige. Quoi. Du coup, il fallait un peu plus loin. On voulait aller au Contamine Montjoie. Et vas-y, je sais pas, on était en route, on s'est dit. C'est chaud. C'est chauffé, on va à Chamonix. Donc là, let's go Chamonix, on va essayer de trouver. En fait, on a tout fait au dernier moment, on va essayer de trouver. Un beau petit hôtel, spa, jacuzzi, tout ça pour détente. Et puis voilà, on repartira demain soir. En tout cas, les gars, je sais pas comment je vais faire pendant la neige. Je pense que faire du ski, ça fait mal aux jambes. Donc on va voir si on fait tout ce étirement ou le programme. Va falloir le faire là dans la semaine. Parce que là, on est à. Je l'ai fait une fois début de semaine. Et puis, il faut se caler fin de semaine, les gars. Je vais faire trois fois. Donc je vais trouver du temps. Je vais trouver du temps, ça c'est sûr. Parce qu'il faut le faire, faut pas lâcher. Tu vois, on a vite tendance à passer sur autre chose. Let's go, bro! Là, un peu trop de ski, là! Allez, là, c'est parti. Là, c'est Nicolas Schumacher. Là. Let's go! Oui, bah, il va finir. Ah! C'est bloqué. Le gars est bloqué. Ah les gars, ça commence à flipper, let's go. Les gars, voilà. Là, c'est l'autre passion à côté du basket. Donc si je fais plus de basket, les gars, on va faire des championnats de freeride. Là, on a pris des spéciales un peu plus larges. On va voir ce que ça donne. J'espère que c'est de la bombe. Le temps commence à être dégagé, donc c'est cool. C'est sur un coup de tête, les gars. On se retrouve là sur un coup de tête. C'est n'importe quoi. On s'est réveillé à 4h du matin, les gars, on est parti. Voilà. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. The thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But
All this stuff, it sucks. When you finally feel like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Ouais, elle est un peu fraîche. Attends, elle est un peu fraîche. On va aller au sauna avant. Appelez-moi une Shaolin, les gars. Que de la récup. Allez. Voilà. Il bronze mon biscuit. Là, les gars, regardez. Après, quand t'as chaud, tu te dépêches. Bon, tu te laves un peu, mais... Tiens, hop. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Là, c'est bonheur. Ah, c'est cadeau, hein. Là, c'est bonheur. Demain, programme d'enc à Chamonix. C'est pas tous les jours avec les copains qu'on puisse faire ça, mais voilà. Un petit peu de récupération mentale déjà. Vous savez que c'est pas tout le temps facile. Et puis un petit peu de plaisir en même temps. Voilà. On reste pas, je sais pas combien de temps, on n'a pas le budget. Je sais pas quoi, on n'est pas encore youtubeur à 1 million. Mais en tout cas, voilà, une journée on se fait, un soir ici. Et c'est déjà très bien. Voilà. On rejoint la famille et le jour de l'an, il faudra rester focus dans le programme. Dans tous ces domaines, j'ai été au plus proche de vous. Je vous ai pas tout montré sur les exercices que j'ai pu faire, mais le plus intéressant. Le but, c'est que ça soit pas non plus un film de 2 heures à regarder sur YouTube. Je pense pas que ça soit intéressant. Mais ce qui est important, c'est que tu vois un petit peu que c'est pas tout beau tout rose, c'est que des fois, bah, on est dans la même galère, on est humain. C'est-à-dire que bah, j'ai eu des moments où c'était pas facile du tout et que j'ai galéré, ou que j'avais même pas envie de le faire et qu'il y a des exercices, j'avais limite envie de boycott. Mais on l'a pas fait et on est resté focus parce que voilà, on se motivait comme ça et vous me motivez en même temps. N'oubliez pas que là, les gars, il reste la partie 3. Dites-moi vous en commentaire si la reprise basket, parce que là, je sais que j'ai repris le basket et bon, comme j'ai eu la grippe, c'était pas facile, mais au niveau musculaire, alors là, rien à dire, ça roule bien. Mais dites-nous, vous, en commentaire, comment ça s'est passé la reprise, les moments difficiles. Tu vois, on veut savoir, on aime bien savoir ça dans les commentaires. Et puis, n'oublie pas d'être là et présent pour la partie 3. Et puis, le retour des vlogs qui arrive, bah, j'espère que t'es prêt, quoi. Donc, appuie sur le bouton like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, j'espère qu'en tout cas, ta reprise basket va bien se passer. Fais gaffe aux blessures, pense à faire quand même un petit peu de renfo si tu n'as rien fait. Voilà, prends soin de toi parce qu'une blessure, c'est vite arrivé. Les gars, à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs. Et puis, on se rejoint pour la prochaine vidéo. Ciao, les gars. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out.